Ce 24 mars, Laurent Delahousse a reçu Stéphane Bern dans l'émission 20h30 le dimanche, diffusée sur France 2. Au cours de l'échange, le spécialiste des familles royales s'est confié sur la disparition de son frère, Armand, décédé à l'âge de 59 ans. Des confidences bouleversantes. En août 2022, soit quelques mois après avoir appris la disparition de son père, Stéphane Bern annonçait une bien triste nouvelle. Le présentateur star de l'émission Secret d'Histoire révélait que son frère, Armand, avait rendu son dernier souffle à l'âge de 59 ans. Tu es parti trop tôt, à un mois de ton 60e anniversaire, après avoir lutté courageusement contre le mélanome qui a fini par l'emporter, avait-il écrit sur son compte Instagram, ému. Près d'un an et demi plus tard, Stéphane Bern est toujours aussi touché par cette disparition. La preuve, invité sur le plateau de l'émission 20h30 le dimanche, diffusée sur France 2 ce 24 mars, l'animateur radio a révélé que la récente annonce de Kate Middleton, qui est atteinte d'un cancer, lui a rappelé son frère. J'ai eu la douleur de perdre mon frère aîné, qui avait 59 ans, d'un mélanome. J'ai pris conscience qu'au fond ça n'arrivait pas, qu'autre, c'est autour de nous, a-t-il déclaré. Face à Laurent Delahousse, Stéphane Bern a indiqué qu'il était heureux de voir la princesse de Galles briser les tabous autour de la maladie. Ce qui est formidable, comme vous l'avez dit dans le JT, c'est ce que ça aide au dépistage. Des femmes de 42 ans se disent peut-être « Je vais me faire dépister ». Elle a envoyé un message de solidarité avec les malades du cancer, a-t-il ajouté, avant de conclure, « Un Britannique sur deux est touché par la maladie aujourd'hui. Il faut briser ce tabou ». Stéphane Bern, ce jour où il a pleuré en voyant une photo de son frère. Ce n'est pas la première fois que Stéphane Bern a évoqué le décès de son frère sur un plateau de télévision. Le 25 novembre dernier, dans l'émission Quelle époque, l'écrivain avait joué à un jeu nommé Photocall. L'objectif, énoncer, de la façon la plus spontanée possible, la question que l'on souhaiterait poser à une personnalité dont Léa Salamé montre la photo. La présentatrice lui avait alors demandé quelle question il choisirait de poser à son frère, Armand, décédé un an plus tôt. En voyant apparaître un cliché de celui-ci, le présentateur de Secret d'Histoire n'avait pas pu cacher ses émotions. « Est-ce que, quand même, tu étais fier de ton petit frère ?» avait-il répondu, ému aux larmes.